Je vous salue aux trois noms saints au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais vous montrer comment calculer la date d'ovulation et le jour de, fin, de fertilité ou fécondation. Comment les calculer? Premièrement, pour calculer ta date d'ovulation, tu dois connaître d'abord ton cycle. Tu, es, tu as le cycle de combien de jours? Supposons. Je vous donne le formule. Les formules, c'est quoi? Pour calculer l'ovulation, c'est cycle moins 14. Ça donne votre date d'ovulation. Supposons. Ici, moi, je réglais les 5. Les 5. Je suis du cycle 29. Donc, les prochaines règles, je vais régler les 4. Maintenant, comment je vais calculer l'ovulation? <coughs> Excusez-moi, on va commencer à compter ensemble. Ici, les 5, c'est le, le premier jour de, de, que je vis mes règles au mois de février. Et comme je suis du cycle 29, le prochain mois, le mois de mars, je vais régler les 4. Parce que je suis du cycle 29.

Moins 14. Comment je vais faire? Je calcule. Je compte directement. Je suis ici, non? 29, moins 14. Moins 1. Est-ce que vous voyez? Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14. Donc, le jour de l'ovulation, mon jour de l'ovulation, c'est ici le 19. Est-ce que vous avez vu? C'est trop simple. C'est ici le 19. Donc, j'ai réglé les 5. Le jour de l'ovulation, c'est le 19. Ou soit, tu as compté ceci. Tu fais, on a dit 29. Le, 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 le cycle moins 14, ça donne l'ovulation. Donc, le nombre de cycles, c'est 29. Moins le 14 de formule, ça donne 15. Ou soit tu comptes ici, le premier jour où tu vas régler, tu commences à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tu vois, c'est toujours la même date. Donc, tu peux compter de deux façons. C'est ce que je viens de montrer. Tu veux compter de deux. C'est toujours la même date. C'est ici l'ovulation. Mais non, l'ovulation, le, 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 le jour qui est aussi très important, c'est les deux jours avant ovulation et les deux jours après ovulation. Plus ovulation, ça fait combien Cinq jours. Les deux jours avant et après ovulation, ça s'appelle jour de fertilité, jour de fécondation. C'est. C'est les, les, des jours aussi, ça s'appelle zone de turbulence. Donc, cela veut dire, si tu pars avec papa, tu tombes enceinte. Tu as 90% de concevoir. Maintenant, ici, c'est le le fait. C'est ce qu'on dit le fait. Donc, si tu touches, tu te brides directement ici. Cela veut dire, c'est 100%. Si tu pars avec papa, tu fais le rapport ce soir avec papa, tu vas tomber directement enceinte. Donc, c'est pour cela, il faut bien calculer ces cinq jours. Ça s'appelle la date d'ovulation et les deux jours avant et après ovulation. Il faut très bien les calculer. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Prenez votre date, remplacez ici. Si tu as réglé les premiers, remplacez, commence à compter. Remplacez tes dates et puis tu calcules. C'est trop simple, la formule est là. L'ovulation est égale. Cycle est moins 14. Si tu es du cycle 29, j'ai fait aussi une vidéo concernant les cycles. Va voir la vidéo en question. Tu vas voir comment calculer le cycle. Il y a une vidéo, toute une vidéo pour ça. Donc, va voir ça, et puis, vous allez calculer. Merci beaucoup. Ciao, ciao.